Alors oui, alors ceux qui ont le vertige, je leur recommande pas de jouer à ça. Ok, Razor. Merci. Et du coup, d'ailleurs, j'espère que la qualité elle est pas trop dégueulasse. Parce que j'essaye justement, comme je t'avais dit sur Mirror's Edge, de tourner en 120 FPS. Alors à voir, j'espère que j'aurai pas trop de pertes d'image. J'espère que ça lag pas trop du cul aussi. Ok. Ouais, je pense qu'on est tous impressionnés, Faith. Quand on aura fini de faire la baisse, tu pourras essayer de te concentrer un peu plus sur le boulot. Céleste est en position pour la livraison. T'as juste à lui passer la manette. Elle t'attendra près de la tour de communication, pour toi. Ok. Et voilà. Et Mirror's Edge, c'est ça. C'est très épuré et franchement, j'ai adoré ce qu'ils ont fait là-dessus. C'est des bandes de couleurs, c'est quelques pubs bien flashy, mais pas non plus, c'est pas non plus des trucs exubérants, mais ça a de la gueule. Et ça, franchement, le parti pris, j'avais vraiment adoré. Hop. Allez, saute. Allez, hop, hop, hop. Donc, franchement, les contrôles, c'est pas compliqué. Hein. Pour l'instant, tout ce que je fais, là, j'appuie sur C... Alors, LB. J'appuie sur LB. Ça, je trouve qu'il y a plus compliqué, quand même. Oh, putain. Je pourrais faire un effort. Céleste risque de s'impatienter. Elle est presque à la tour et toi... Oh, et on va, ça va, hein. Toi, et passe lui la mallette. Elle prendra la suite. Fais mon boulot, après on en reparle. Oh, oh putain! C'est le genre de truc, putain, tu te dis, tu vas te casser la gueule, ça va faire mal. Comme d'hab, c'est toujours bien ouvrir les portes, hein, voilà, je te défonce, rien à foutre. Tu fais parler de toi, Faith. Ah oui. Un journaliste t'a repéré et a prévenu les flics. Salut, c'est Mirror's Edge 1. Sachant que, en fait, Catalyst, ça sera pas un Mirror's Edge 2. Ça sera un reboot Catalyst. Et sur quelle plateforme? Je joue donc sur PC par le biais de Steam. D'ailleurs, il coûte pas très cher. Hein, il doit coûter. J'ai acheté 10€. Donc, franchement, il coûte pas cher. Et pour un jeu 2008. Il est pas dégueulasse. Donc petite entre guillemets mécanique de gameplay, quand il y a ce logo là, en fait, il y a une mallette cachée. Là, elle est où la mallette? Où est-ce qu'ils ont foutu la mallette déjà dans ce niveau-là? Donc je serais pas sans doute non plus un 100%. Donc si je trouve les mallettes, tant mieux. Sinon, tant pis. Hein. Pas se casser la tête. Mais j'avoue, là, c'est bizarre, il est censé... Enfin, c'est quand même la première, donc... Qu'elle soit... Peut-être là, on va voir... Hop... Oula, oula, tout doux, Faith. Merde, qu'est-ce qu'elle me fait, la grande, là? Ah non, d'accord, ok. Ok, j'ai compris, ça. J'étais dans le vide, c'est pour ça. Merde, putain, où est-ce qu'ils ont foutu cette foutue mallette de début là? Non, c'est pas le nouveau Mirror's Edge, j'aurais bien aimé. Mais là, non, justement, le prochain, le reboot, du coup, il sort dans un mois, à peu près quelques jours près. Je crois qu'il doit sortir peut-être le 24 mai. Ouais, merci Razor. Donc là, franchement, ça fait plaisir. Casser une rotule. Non, c'est bon. Oh, non, désolé. Non, on s'appelle. Je suis pas là.
Ouais, alors eux ils sont battent le derche, hein, ils me fusillent, hein. Normal. Allez, hop, par là. Par là. Par là. Allez. J'entends des tirs et un hélico nous surveille d'un peu trop près. Ouais, bah t'inquiète pas, y'a pas que l'hélico, hein. Allez, sprint. Du coup, vous m'excuserez si je regarde pas le chat dans les moments où je me fais tirer comme un gros taré. Mais je vais prendre tout ça en compte après. Allez, encore un peu. Tiens, dans les couilles. Tiens, bouffe mon put. On va parler encore un symbole, mais là, ça va être un peu chaud. Fallait par où là? Oh putain. Allez, fais dodo. Allez, encore un peu, on se met au moins en zone un peu safe. Putain. Putain, heureusement qu'elle est pas cardiaque. Oh nom de Dieu. Rejoins Céleste et fais attention aux flics. Dépêche, fais flic au cul. Ouais, je vois, ils sont là-bas, ils sont tranquilles. Il est disponible sur la One celui-là. Le Mirror's Edge 1, je sais pas si est sur Xbox One, le perso, je pourrais pas dire. Mais sinon sur la chaîne YouTube, bah du coup, techniquement j'en ai une. Mais de toute façon, là c'est les lives que je retransmettrai du coup sur la chaîne YouTube. Et je ferai aussi plus tard des enregistrements directs, comme ça me permettra de faire du montage. Envoie-moi la valise. Tiens bah chope là ta foutue valise. Hein. Tout seul je me viens de me faire flinguer. Fais gaffe, Sel, il ne plaisante pas. Ça ira. Nyeh. A plus! Putain. Où ils sont vénères, les mecs? Ouais, je crois avoir une idée, mais elle est pas bonne. Oh putain! Normal, je fais ça au petit matin quand je me fais chier. Ne faites pas ça chez vous. Je sais pas. Jamais. J'ai juste ouvert le feu. Je me demande ce qui se passe. Je me renseignerai. Ramène-toi à la base, Face. Non, parce que tomber sur des cartons. Je suis pas expert, hein. Mais tu crèves. Tu ne t'as hauteur, tu fais ce que tu veux. Mais tu crèves. Oh punaise. Donc voilà, ça c'était le prologue. L'épisode 1, c'est parti. Donc passage A. Du coup, j'espère, alors parce que j'ai jamais fait, on va dire comme ça, qu'il faut bien vous montrer toutes les vidéos entre les passages, etc. Sinon, je vous les montrerai à chaque passage, bien sûr. Parce que c'est un aspect un peu comics que j'ai trouvé assez intéressant. Alors, apparemment, ils le font pas. J'y suis presque. Bon, surtout non, si tu veux m'en dire plus sur cet endroit mystérieux et sur ce que tu vas y faire, n'hésite pas. C'est ma sœur. Ah, ok. Oh, ça va, c'est le prologue. J'ai connu pire. Mais merci. Du coup, bah, je vais retourner quand même au menu principal, au moins pour vous montrer au moins à quoi ça ressemble, parce que ça vaut quand même un petit détour. Donc, c'est dans les bonus, débloquer, alors, vidéo. Intro, et eh ben, je vous laisse profiter. Autrefois, cette cité était pleine d'énergie, sale et dangereuse, mais vivante et merveilleuse. Aujourd'hui, tout a changé. Ça s'est fait sans bruit au début. Personne ne réalisait ou ne s'en souciait. Les gens ont accepté. Ils ont choisi une vie tranquille. Mais pas tous. Ceux qui ont refusé de se conformer sont devenus des marginaux. Des criminels. Ils sont devenus nos clients. On nous appelle les messagers. Nous vivons sur le fil qui sépare le brillant et la réalité. Le fil du miroir. Nous restons à l'écart, hors de vue. Et les policiers nous laissent tranquilles.
Les messagers voient la ville à leur façon. Sur le fil, les toits se transforment en chemin et en conduit, en issue et en raccourci. Sur le fil, nous restons en mouvement. Et donc, en vie. Bon, c'est pas pour dire, mais ça me rappelle quand même des trucs d'actualité. Mais bon, ça après, c'est la parenthèse, hein. Je vais pas me faire chier à parler politique là-dessus, on n'est pas là pour ça. Alors ensuite, non, les musiques, donc sur écoute. Oui, c'est ça. Ça, c'est pour l'épisode 1. Répétez, officier Connors. Je dois voir Pope, Robert Pope, pour sa déposition sur le cambriolage. Enfin bref, c'est au 56 West Arland Drive. Prévenez Miller. Bien reçu. Je transmets le message, officier Connors. Merci. Terminé. Salut, toi. T'es là, ma fille? Hé, Merc. Tu joues encore les espionnes? Tu me connais. Bon, essaie de dormir. Sacrée journée. Je ferai ma petite enquête demain. On verra pourquoi ils ont la gâchette qui les démange. Je tiens au courant, ok? Et ne jette pas la pizza. J'aime le fromage bien, bien fait. Bien fait, ouais, je sais. Bye, Merc. Coup de feu, je répète, coup de feu. Toutes les unités doivent se rendre au 56 West Arland Drive sur le champ. Soyez très prudents. Kate. Où es-tu, Kate? Où es-tu? Hey. Merc. Tu sors? Mets-toi à la radio et suis-moi. Ok, c'est la merde. Le mec à peine rentré. Oh, ok, je me casse. Quoi, c'est la merde. Ok. Le mec, il a rien demandé. Donc ça, c'était la vidéo, du coup, pour épisode 1. On va reprendre. Donc, apparemment, il y a une fusillade. On va voir ça de plus près. J'y suis presque. Bon, surtout, si tu veux m'en dire plus sur cet endroit mystérieux et sur ce que tu vas y faire, n'hésite pas. C'est ma sœur. Ah, ok. Je vais voir ce que j'ai comme info sur le secteur. Une seconde. Hop. Alors... Ouais, de la gueule. Allez, go. Attends. Ça aise. Putain. Ça c'était pas non plus le summum. Oh putain. Ah, j'avais oublié. Putain, quel con. Ouais, merci de me le dire, sympa. Je me suis juste pris une putain de décharge dans le pied. Ouais, non mais Kate, quoi. Le 2. Tu vois, le 2. Le... Mirror's Edge 2, enfin le reboot là, le Catalyst, ça non, je... Bah de toute façon je vais me le commander, je vais me l'acheter quand je pourrai, parce que franchement c'est un jeu que j'attends, et saute par-dessus, en plein genre de KO, enfin franchement ça vaut le détour quoi. Ok, il y a eu des coups de feu sur West Arland, chez Pope, j'imagine que tu vas là-bas, mais fais attention, on sait pas ce qui s'est passé. Deux, mais c'est pas Mirror's Edge 2, c'est le 1 celui-là. Je veux dire, bon, ok, il y a peut-être, genre, par exemple, vraiment, si on s'arrête, il y a des textures, ok, qui sont un peu dégueulasses, genre des imperfections, des trucs comme ça, mais en fait, vu qu'à la base on est censé limiter le rush, bah, on les voit pas, les petits, les petits défauts comme ça. Dire c'est pareil, c'est sûr que si je m'arrête là, oui bon bah ok, c'est dégueulasse quoi, mais bon sinon en soi ça passe.
Mais non, non, c'est Mirror's Edge 1, premier du nom, 2008. Est sorti du coup sur PC en janvier 2009. Ça monte. Voilà, hop. Ok, tu galères, mais quand même. Alors attends. Ah, attends, c'est là où. Oh putain. Ah oui, non, mais alors. Alors peut-être que là vous allez entendre le bruit de la première chute, genre quand on se pète bien la gueule des familles. On va essayer. Allez, 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 allez. Hop, putain. Ça passe. Ouf. Voilà, je fais un coup de pote, j'ai aucun respect. C'est vert. C'est quoi déjà le. Ah, voilà, c'est. Voilà. Si vous emmenez vos enfants au centre commercial. Eh ouais, on dirait pas comme ça, hein, mais c'est vraiment le premier, et j'avoue. Alors, j'ai joué à pas mal de jeux, mais pas non plus aux grands classiques. Oui, non, t'es mignon, t'arrêtes avec ta pub, toi, merci. J'ai pas fait non plus les grands classiques du jeu vidéo et tout le bordel, j'en ai fait quand même pas mal, mais franchement, j'ai pris quand même une claque dans la gueule quand j'ai vu tout ça. C'est. Voilà, c'est, enfin, moi, c'est le seul truc qui m'est sorti. Ah, arrivé à destination. C'est cosy, je pense, hein, pas les bureaux. C'est sympa. Kate, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que. C'est toi? Non! Je le reconnais pas! Je devrais? C'est Robert. Robert Pope. Ouais, enfin, ce qu'il en reste, hein, parce que là, il a plutôt une sale gueule. Il m'a appelé. On s'était pas parlé depuis un sacré bout de temps. Il s'est fait cambrioler. Il parlera plus toujours. Il est toujours en campagne. Tu lis pas les journaux? Les journaux n'existent plus. Y'a que de la pub. Et il voulait devenir maire. Donc, c'était plus simple qu'un cambriolage. C'est ce que je croyais. C'est bizarre. Il a parlé du cambriolage, m'a demandé de venir, et il a parlé de toi. Vraiment? Ça doit faire 10 ans que je l'ai pas vu. En tout cas, il était vivant à mon arrivée, assis à son bureau, à écrire. Et puis, ouais. À mon réveil, il était mort. Et je pense qu'ils ont utilisé mon arme. Il y avait un livre aussi, un agenda. Disparu. Il devait y avoir quelqu'un d'autre dans l'immeuble. Ma radio était dans la voiture et j'ai eu le temps d'appeler personne. Allez, viens avec moi, je vais te mettre à l'abri. C'est pas le moment de fuir. Je suis pas comme toi. Si je fuis, ils me croiront coupable. Tu crois que c'était un accident, Kate? Rien n'arrive par hasard dans cette ville. Quelqu'un voulait le tuer et te faire porter le chapeau. Aide-moi, pitié, Faith. Tu as des contacts. Il devait savoir quelque chose, de très important. Quelque chose qu'il voulait me dire. Je ne veux pas être mêlée à tout ça, Kate. Oh. Tu sais comment je vis. Génial, je ne peux pas. C'est carré, Faith. Je te suggère de l'étaler, disons, vite. Ouais, ça pue les emmerdes. Je t'aiderai, Kate. S'il m'arrive quelque chose, va trouver Miller, mon supérieur. Donne-lui tout ce que tu trouveras. Je suis sérieux, Faith. Souviens-toi qu'il ne plaisante pas. Dégage de là. Allez, vas-y. C'est un peu le cachet de facile. Et Faith. Merci. Ok, bon, maintenant, évitez de se prendre une balle dans le cul, hein, parce que on n'est pas Deadpool. Oh, merde! Bonjour, oh putain, merde. Là, ils ont l'air quand même armés, eux. Allez, on se casse, on se casse, on se casse. Ok, par-dessus, allez, 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 allez. Putain. Ouais, bah, tu crois que j'ai travaillé, mec, j'ai travaillé. Allez, putain, te prends pas les rebords, toi. Allez, 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 allez. Ok, ensuite, l'ascenseur. Et rush, rush, rush. Oh putain. Ensuite, 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 il faut que je monte. Ok. Top. Dégage. Ok. Allez, oh putain, le fail. Oh merde, oh oh pardon, désolé. Ouh. Ah, c'est bon, ça passe. Allez, monte, 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 monte. Ok, faut monter, ok. Alors, on étudie un petit peu. Putain, je suis censé passer par où là? Ah si, par là, allez. Et ma grande, tu peux le faire là.
Il conduit. Oh putain. Si je me casse la gueule. Putain, ils sont nerveux les mecs. Mais putain, je suis où là? Putain, je suis retourné sur mes pas, sérieux? Putain, comment j'ai merdé! Putain, un bon gros noob qui découvre le jeu, quoi. À la limite, j'aurais voulu m'insulter, j'aurais pas fait mieux. Voilà, je passe par là, ok. Ensuite, je monte là, d'accord. Comment je me suis. Ok, j'ai passé, c'est comment je me suis démerdé. C'est bon, ça passe. Ouais, bah t'inquiète pas, je vais pas m'arrêter, mec, hein, c'est pour que tu me plombes. Ok, plan B. Hop. Oh, comment je sens pas. Oh, comment je sens pas. Ok. On est pas trop mal. Putain, où ça? Ouh, ok, par là. Ouais, bah ça serait bien que tu te dépêches, mec, parce que là je me fais légèrement plomber. Putain, ils sont nerveux, les flics. Rush. Ok. T'arrêtes pas, ma fille. Ouais, j'aimerais bien t'y voir, mec. Allez, c'est pas grave, allez hop. Ouais, non, parce qu'on va pas s'arrêter pour prendre du pique-nique, hein, ça c'est sûr. Allez, toi. Putain. Oh le merdeux, sérieux. J'aime bien. Arrêtez-vous! Oui, bien sûr, j'allais t'en parler. Ah. Oh putain, une porte. Oh, t'es heureux quand tu vois une porte. Oh. Ah bah non, autant pour moi. Eh les mecs, je vous ai troll. Troll? A plus. Ce troll. Ouais, tu peux souffler. Merde, quel foutoir. Pope est mort, c'est dingue. C'est cette foutue ville qu'il a eue. Tu le connaissais, hein? On dirait qu'il s'est fourré dans un sacré pétrin. Passe le pont qui traverse l'avenue et continue vers Centurion Plaza. Putain, je suis à la guêpe ou quoi, là? Nous vous interrompons nos programmes pour cette nouvelle. L'avocat et candidat à la mairie Robert Pope a été trouvé mort dans son bureau de West Harlem. Des sources affirment que Pope a reçu un Banner, tir fatal. Chase, escaping from... Nous vous tiendrons informés. Oh, ça j'aime pas ça. Oh, pardon, désolé. Plusieurs voitures de police viennent vers toi. T'as plus beaucoup de temps. Allez, cours. Putain. Il est sérieux, lui? Ouais bah ouais, faudrait trouver un chemin, j'aimerais bien t'y voir, mec. Ouais bah là il est surtout me cribler de balles, hein, c'est déjà pas mal. Allez, run. Eh bah écoute, on va essayer de passer par là. J'adore ce mec. Ah, on dirait, je sais pas. Non, je veux pas savoir, non. Non, je m'en passe volontiers, hein. Ça ira. Cherche une issue vers la place par la passerelle. Rick se dirige vers l'autre côté pour te récupérer. Okay. Tente rien de Balinza. Flic droit devant, ma fille. Souviens-toi, un à la fois.
Tu me donnes ça. Tu bouffes ça. Bonne nuit. Là, je vise au Joy, ça va être compliqué. Comparé à la souris. Dirige-toi vers la passerelle. On n'a pas d'autre choix. La passerelle, elle est où ta passerelle? C'est. Ah oui, d'accord, c'est là-haut. Ok. Putain. Ça me prend des balles gratos, ça va pas le faire. Hein. D'accord. Ça a raflé mon crâne. Oh, non mais, bah, mais redescends pas, t'es sérieux, allez. Oh putain, oh là là, oh elle est nerveux. Allez. Attends deux secondes, ouais, je me remets de trois lombaires. À suivre. Et Faith, t'inquiète pas pour ta sœur, ok? On va l'aider. Bonsoir, salut. Maspic, tu m'excuseras, mais vu la couleur, là je sais pas si c'est un H ou un K, donc tu m'excuses. Donc voilà, donc en gros, le jeu est pas très compliqué, c'est vraiment histoire de te mettre un petit peu la pression, un peu le stress quand tu runs, histoire de te dire putain je vais passer par là, ok faut que j'aille où, voilà. Sachant que y a pas de mode en fait, enfin de comment dire, de mode de difficulté. T'as pas, je peux regarder dans les paramètres, si difficulté, si. Alors difficile, tu peux pas l'avoir, voilà. Ajuster niveau de difficulté, terminer le mode histoire pour débloquer la difficulté maximale. Donc, moi j'avais fini le jeu déjà. D'accord, c'est un cas. Merci. J'ai fini le jeu en normal. Donc du coup, bah ouais, je continuerai bien en difficile pour voir ce que ça donne. Parce qu'en soi, le jeu est assez simple. En fait, tu peux le rush en soi assez facilement, quoi. C'est très très facilement. Donc du coup, hop. Sur écoute, alors chez Merck, ça c'est la vidéo pour amener la deuxième session. Ça, c'est bien la merde là déjà. C'est barré d'une scène de crime. Quelque chose les rend nerveux, ma fille. Je sais pas ce que c'est, mais faut pas trop les chercher. Et celle. Pas trop dur l'autre fois? Non, aucun flic ne peut me suivre. Mais cela est un peu coriace. Le meurtre de Pope est sur toutes les lèvres. La police s'active, s'emballe. Je sais pas ce qu'il leur prend. Ça doit être la période des licenciements. Reste sur tes gardes, Cell. Sinon, quoi de neuf? Un messager vole des preuves sur une scène de crime. Maintenant, c'est cherché par les flics. C'est ça que t'as volé? Ouais, ça doit venir d'un agenda. Le reste a disparu. Tout ce qui est lisible, c'est Icar, on dirait. Et vers les sommets. Icar, le personnage grec? Ouais, son père lui a fait des ailes avec de la cire et des plumes. Puis le garçon s'est envolé vers le soleil. Et plus de cire et plus d'Icar. Si quelqu'un sait quelque chose, tu vois qui c'est, Face. Hélas. Je sais qu'il n'est plus messager, mais il a des contacts. Tu peux plus l'éviter. On parie? Qui? Jackknife. Donc, oui, pour répondre. merci Maspic. Du coup, les lives, généralement, je vais les faire le soir, oblige, malheureusement. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire ça en mode régulier, hein, de toute façon. Donc, de toute façon, je vais...
je vais faire ça, je pense, début de soirée, genre sous les coups de tête de 21h, 21h30. Donc là, je fais sur Mirror's Edge, mais je peux faire aussi sur tout ce qui est Heroes of the Storm, même si c'est, je dirais en soi, moins immersif pour un live. C'est vraiment plus, vous avez vu le move, etc. Enfin voilà, moi je suis plus fan des jeux qui ont une histoire, qui ont quelque chose. Ça, c'est le genre de truc qui me passionne le plus souvent. Sinon, je vais faire aussi du The Secret World avec Mr. Swan, un ami. Et voilà, donc après on va voir sur quel format on va le faire, sur les lives, est-ce qu'on partira sur un truc 100% RP ou est-ce qu'on partira sur quelque chose de plus standard. On verra. Voilà, ça de toute façon j'en parlerai avec lui, si ça fonctionne de toute façon on écoutera toutes les suggestions et critiques, ça c'est important. Donc voilà, par contre Maspic, tu dis qui je saisis pas là sur le coup, mais en tout cas même. Merci à toi pour ce que t'as dit. Donc ça c'était la vidéo, donc on va passer du coup à l'épisode suivant. Donc ça c'est Prologue le fil, l'envol, Jackknife. Oui bon, on commence au début, faut pas déconner non plus. Oui du coup, demain, bah écoute... Alors, il est sur un toit pas loin des conduits d'évacuation des eaux usées. Et le secteur est infesté de flics. D'accord, en gros il est dans les égouts quoi. Les canaux jusqu'au quartier Hampton Town. Bref, demain, c'est simple, le live de demain, je vais faire une note ou un truc comme ça, de toute façon je vais le faire à 21h, non plutôt 21h30, parce que là je suis sûr que à 21h30 ça sera bon pour continuer. Je vais le marquer quand même, sachant que je continue, etc. dessus. Bien sûr, j'améliorerai déjà la qualité du son. Hein, et puis là, j'essaie d'économiser pour acheter un nouveau pro, ce qui me permettra d'améliorer encore plus tout ce qui est qualité, machin. Enfin bon, je vous passe tout le détail. Ouais, c'est le jeu complet. Alors j'ai coupé en épisode parce que du coup, c'est vraiment le début, etc. Alors on se met bien les doigts. Mais oui, je vais essayer de faire le jeu au max, sachant qu'il est pas non plus très très long. C'est faisable. Alors il faut aller par là. Alors j'avoue que là je suis un peu paumé, je me souviens plus trop. Est-ce que je peux... Non, voilà, en plus je me prends le barbelé dans la gueule. Alors attends, là je me souviens. Ah, ça y est, bingo. Ah oui, en difficile, ça y est, je me rappelle. En difficile, il n'y a plus le sens urbain. Par exemple, le poteau là où je suis, en sens urbain, il apparaît en rouge. Donc du coup, merci Razor, c'était là demain. Du coup, ça permet de voir les éléments plus facilement. Donc ouais, ça va être intéressant, ça rend le truc encore plus dur. Ouais, enfin bon, là, si je me fais en me pétant la rotule, ça va pas le faire quoi. Allez. Bah, ça, voilà. Hop, vas-y, chope ça. Voilà, tu chopes ça. Là par exemple, voilà. Ok, la texture là elle est dégueu. Mais en même temps, on va pas passer notre vie. Alors c'est pas ça qu'il fallait faire, c'est pas grave. On va pas passer notre vie à regarder la texture d'un poteau quoi. Bon, après j'avoue que c'est quand même mieux si le truc il ressemble vraiment à un poteau. Bon, après c'est les petits détails. Allez hop. Je suis quand même épaté que le truc. Enfin, vraiment étonné que le truc il pète pas, mais enfin bref. Aller. Bon bah écoute, on rush. Ah oh bah voilà, c'était simple. Non, pas envie. Ouais, oh, c'est bon, on l'a déjà sorti, mec. Et bah, deux secondes, mec. Je suis pas speedy quand elle, je suis pas flash. Oh putain, ouais, d'accord, ils commencent direct là. Ok, ils sont bien remontés, hein. Ça va être sportif là. Ils sont déjà un hélico quoi là. Attends, un hélico, putain. Ah, j'ai déjà un comité d'accueil. Oh putain. Oh les dégâts. Oh putain. Ah ouais, non, là ok. Je saisis le mode difficile. Ok. Non. Ah putain, ça va être chaud.
que quand je vois à peu près ce que ça va donner ensuite là. Ah, ça va pas être aise là. Comment je vais me démerder pour. Ah, mais ça va être short quoi. Ça veut dire qu'il faut slalomer entre les. Oula. Allez, meuf là, faut que t'y ailles là. Oh putain. Ou alors il y a un putain de sniper. Ah ouais, c'est ça. Il y a un sniper. Ah bah voilà la mallette. C'est gratuit. Allez, monte. Parce que le snipe ça pardonne vraiment pas. Et ça, c'est universel dans les jeux vidéo. Attends, faut que j'aille. Oh putain, il va me shoot ce con. Cours, slalom. Ça marche pas. Putain. Oh merde. Ah. Je retourne où là? Oh. Bon bah là pas le choix, je run. Après le push like turn, maintenant c'est le run like turn. Tu réfléchis pas du coup. Oui oui bah prévu T'es sérieux là? Voilà. Mais le mec, je sais pas, ta mère elle te déteste, c'est ça? Oh putain, ça y est, le snipe. Vas-y, la recovery là, s'il te plaît. Va être nickel. Allez, rush. Allez, on y est presque. Là, il s'est foiré. Bah ouais, bah allez où ta porte de maintenance, mec, parce que là. Ah ouais, d'accord, je m'étais vraiment fait chier pour rien en fait. Ok, alors ça, vite. Ok, alors ensuite, ok, faut monter là-haut, donc là je vois les poteaux, il y a ce truc là, ok. Voilà, donc en gros le jeu c'est vraiment des phases comme ça, des phases un peu stressantes où faut vraiment run comme un tarde. Puis après plus des trucs un peu plus calmes, bon, pas non plus passer toute sa vie, hein, mais de plateforme en général. Ça franchement, ça c'est bien dosé, même si des fois j'avoue ça peut casser un peu le rythme. Mais bon, généralement ça passe bien. Oh, checkpoint. Pas dans les conduits d'évacuation. Ok, donc faut monter. Allez. Allez. Oh putain. Oh, what? Attends. L'hélico il vient de me passer à travers là. Merde, c'est pas la bonne. Non, tu me touches pas, non, tu crois, mais non, en fait. Allez. Hop. Putain, allez. Allez, voilà, chop. Allez, prends monsieur le tuyau, là. Là, j'ai un peu trop bas, là. Voilà. Ça va, temps mort. Non, c'est pas le nouveau, c'est pas la bêta, c'est Mirror's Edge, premier du nom, du coup de 2008, console de salon, novembre 2008, console de salon, janvier 2009, où est-ce que je vais, où est-ce que. Blin. Ok, là ça fait mal. Non, c'est le premier, c'est pas la bêta. J'ai vu que c'est à la bêta, franchement j'aurais vraiment kiffé parce que j'ai vraiment adoré le premier. Mais non, je profite de l'occasion pour justement montrer ce que c'est le premier. Et que même si c'est un jeu qui date de 2009, bah graphiquement parlant, il est encore viable. Hein. Franchement, j'y ai rejoué il y a une semaine et demie, j'étais agréablement surpris de voir un jeu... qui date d'il y a plus ou moins 8 ans, d'être d'aussi bonne qualité. Ça fait vraiment plaisir. Alors attends, parce que là je vois rien là. Ok, d'accord. Juste descendre. Bon bah. Aise. Ah oui, alors attends. Faut
passer par où? Ouais, pour passer par là. Putain. Allez, vas-y, grimpe. Parce que j'ai pas envie de me faire broyer par une porte hydraulique, ça serait con. Ok, ça c'est fait. Et voilà, et des fois... Ah! S'allume Matteo... 43200. Mais voilà, c'est... Des fois, des trucs comme ça, je veux dire, l'effet de reflet, bah voilà, il est bien fait, c'est minimaliste, c'est simple. Et des fois, c'est con à dire, mais il y a certaines, j'irais, boîtes, etc., qui font des jeux hyper compliqués dans tous les sens. Mais les mecs, oubliez pas que des fois, le simple, bah putain, ça a du bon, quoi. Bah, je sais pas. C'est même pour les jeux indés, hein, c'est pareil, t'as des jeux qui sont très simples, mais bah, efficaces. On leur demande pas plus. Ok, alors, vraiment de la merde. Allez, hop, tu montes. Ouais, c'est on peut croire que c'est le nouveau. Alors, imaginez, du coup, imaginez ce que ça va donner le nouveau quand il va sortir. Voilà, sachant que là, c'est pas dégueulasse. Alors, quand il va sortir, qu'est-ce que ça va donner? Là, c'est clair. Ouais, le 1, j'ai déjà fini. Est-ce que c'est sur la One? Non, non, c'est sur... merde. C'est sur PC, sur Windows. Et voilà, et là... Voilà, je joue quasiment en max, sauf pour l'écrénelage, là, pour la pixelisation. Putain, mais sa gueule! Et bah, tu te dépêches, s'il te plaît? Hein, voilà, allez, encore un peu. Voilà, merci. Et voilà. Alors là, c'est un truc d'égout. Mais c'est quand même foutrement bien fait. Les effets de fumée, les grandes colonnes, enfin, c'est bluffant quand même. Franchement, quand l'autre il va sortir, j'attends vraiment rien que pour qu'il garde cet aspect, comment dire, vraiment très épuré, mais efficace quoi. Juste efficace. Putain. Là, allez, hop, hop, hop. C'est bon, ça passe. Alors grimpe, ça m'étonnerait que les flics ne se pointent pas. Oui, bah ça en même temps. Dans ce jeu-là, de toute façon, les flics sont toujours là pour nous faire chier. Hein. Merde, on dirait qu'ils s'attendaient à ce que tu passes par là. Ils ont posté comme par hasard. Oh, super. Le meilleur ami du joueur. Oh. Coucou. Coucou. Bon, ça va, les snipers, sauf si tu cours en ligne droite, c'est des stormtroopers. Donc on risque pas grand chose. Ouais, le nouveau, oui, bah de toute façon, il sortira sur tout ce qui est console next-gen. Et puis, bah, bien sûr, sur PC. Moi perso, je vais le prendre sur PC histoire de bien bourrer les graphismes et d'en prendre vraiment plein la gueule, quoi. Ça, c'est. J'attends vraiment pour ça. Mais du coup, j'ai lu un petit test dessus. C'est que en fait, ça serait pas donc du coup le 2, ça serait un reboot du premier. Oui, oui, je vais les neutraliser. Non. Oh, alors là, j'ai chopé. Bah, tiens, tu bouffes. Boot ! Ah, fait du bien. Alors. Allez, t'es où, toi ? Oh là. Putain, comme par hasard. Voilà. Meurs, s'il te plaît. Voilà, tu m'as loupé. T'es deg. Voilà. On jette l'arme là. Rien à foutre. Hop. Ouais, il sort en mai, franchement, quand j'ai appris la date, je me suis dit, ok, le mois de mai, il va être full clou entre ça et Overwatch. Ça va faire plaisir, franchement. Mais voilà, c'est... Ça va être intéressant, à voir comment ils veulent faire le reboot, etc. Parce qu'apparemment, ils étaient pas satisfaits
du scénario qu'ils avaient fait, même si en soi le scénario, bon, est pas... Bon, ça, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, ça c'est clair, mais... Bah, il est pas dégueu non plus, hein... Là, allez, hop. Il manquait plus que ça. Sors d'ici, Faith. Ah ouais, d'accord, j'ai le comité d'accueil. Allez, les boutons. C'est ouvert, par. Ensuite, ok, bon, bon, classique, faut monter. Putain, allez. Allez, ma grande, tu peux le faire. Allez. Ouais, bah de toute façon, comme beaucoup de jeux vidéo, c'est... Il y a souvent du retard, etc. Alors est-ce que c'est pour augmenter un effet de hype ou quoi que ce soit? Bon, ça après, chacun juge. Moi je sais juste que j'avais même pas fait... non, par contre, est-ce que tu peux lancer l'animation? Voilà, merci de corniche. Parce que ça, c'est le truc con. Franchement, ce passage-là, ça fait comme le la barrière en vert. On se dit, ouais, bah écoute, je vais sauter, ça va le faire. Non. Ah, bon, bah d'accord. Mais il faut juste prendre le temps. Alors, on active. Les cocottes. Voilà. Et aussi, truc con, et qui était quand même pas mal, c'est enlever l'archétype de la gonzesse... Ok, d'accord. Enlever l'archétype de la nana super bombasse avec des gros seins à plus savoir quand en faire. Donc, franchement... crever sur un truc aussi con, hop, c'est voilà, c'est la nana, elle est agile, on va pas lui foutre à 90 double D, voilà quoi. Mais sinon ouais, ça donne quand même vraiment envie de faire du free run, quoi. Ça donne vraiment envie d'aller, on va voir des tuyaux, on va dire ah tiens si je montais comme ça, je faisais ça, etc. Bon alors après. Comme on dit, c'est un jeu vidéo, hein, faut mieux éviter de faire ça dans la vraie vie, parce qu'à mon avis, il y en a plus d'un qui vont se péter une jambe au début, et surtout c'est un entraînement, et j'avais vu certaines vidéos d'entraînement de freerun. Déjà rien que quand on saute, non mais je vais y arriver bordel, rien que quand on saute, déjà il faut utiliser ses muscles des cuisses, alors en fait c'est un truc con, putain, allez bordel. Bon, je vais me concentrer deux secondes, je vais vous raconter ma vie. Oula, ok, j'ai carrément cassé la gueule. Allez quoi, c'est juste un passage à la con là. Oh, sérieux, même ça, ça passe pas. Attends, c'est bien par là, pourtant, bon, là, de toute façon, ça passe pas. Ouais, non, techniquement, on peut aussi passer par là où je passe. Parce qu'on peut passer aussi de l'autre côté. Ça, je m'en souviens. Oh merde! Les rotules. Donc, ouais, les, en fait, l'exercice de freerun que j'avais vu. Putain, je suis pas maintenant, je crame en chaîne. T'en fais pour aller à McDo. Bah, au moins, c'est bien, c'est que t'arrives là-bas, t'as déjà brûlé limite tes calories en avance, comme ça, t'es tranquille. Oh là, ok, réussir en deux. Mais non, franchement, ça. Ça donne vraiment envie et. Quand on se met à faire vraiment du freerun, bon, il y a les trois trucs de base où je disais, ouais, c'est. Par exemple, on saute, quand on retombe, c'est vraiment. Enfin, comment dire, freiner sa chute avec les muscles de ses cuisses et ses volets. Si on attend de. Comment dire, que bah, les genoux se plient entièrement, qu'est-ce qui va se passer? Bah. C'est tout simplement le cartilage qui prend, et là. C'est. Là, ça fait vraiment mal, quoi. Hop, hop, hop. Et voilà, c'est ça. Enfin, je me répète en lisant, mais ça faisait vraiment plaisir d'enlever le stéréotype de la bonasse de jeux vidéo. Je veux dire, elle a quand même un certain charisme qui va être accentué donc dans Catalyst, parce que j'ai vu, bah, enfin, sans doute comme vous, tout ce qui est artwork, aspect des vidéos in-game, etc. Et franchement. Ça a de la gueule. Et c'est quand même vraiment, vraiment de la gueule. Là, les personnages, faut mettre ça dans le contexte, c'est quand même 2009. C'est pas très peaufiné. Hein. Voilà, Michel. Allez, saute. Voilà. Bah,
Bah oui, franchement, ça serait bien qu'ils sortent Catalyst sur old gen, quoi. Parce que bon, bah tout le monde n'a pas forcément le PC overpété, ou tout le monde peut pas dépenser 400 balles et quelques pour une PS4. Ou... Donc bon, c'est pas évident. Ah oui, d'accord, ça monte. Putain, allez. Hop. Ok. Ah, la lumière du soleil. Ah, ça fait plaisir. Oh putain. Ok, ils ont l'air vénères. Non, aïe. Non. Pouf. Bonjour. En plus qu'une invasion de zombies, c'est parfait. Ah. Ta soeur, toi, ou... Bon, vous avez des pompes, les mecs, hein, va falloir vous approcher de moi, sinon... Il est sérieux, lui? Ta gueule. Ouais, tu bouffes. Hop. Ouh, ça passe. Ouais. Voilà, là c'est le moment où tu souffles un peu. Merci Monsieur Gamer. Et merci du coup à Matteo. Et OneDrift aussi. Ouais bah c'est pareil, je peux pas débourser 400 balles comme ça. À la rigueur je vais bien économiser pour acheter un PROS qui vaut 300. Genre un i7 à 4 GHz ou quelque chose comme ça. Histoire d'être tranquille, sachant que là je tourne sur une GTX 970. Jack Mack doit savoir quelque chose sur le meurtre, alors le laisse pas filer, ok? Je sais, ah bon? C'était un des meilleurs messagers. Je sais pas pour qui il bosse aujourd'hui. Ça me regarde pas non plus. Mais voilà, donc franchement, c'est quand même... Enfin voilà, moi je perso, j'ai acheté les pièces petit à petit, c'est l'avantage d'un PC assemblé, c'est qu'on peut économiser, on achète une pièce, et bon, généralement, en plus, à la fin, on a un truc qui est plus puissant qu'une PS4 ou une Xbox One. Salut mec! Viens là que je te pète la gueule 2 minutes! What? C'est quoi ce bug? Putain, c'est, là ça s'est transformé en Super CN Blue, là j'ai rien compris là. Ouais, alors attends, j'aimerais éviter de. Voilà, merci de trop voler. Hop 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 hop. Attends-moi mec, hein, t'es mignon mais attends 2 minutes. Ah bah de toute façon t'es scripté, attends-moi bordel. Allez hop. Ah mais je veux juste te casser dedans. C'est... Bah reviens. Reviens, mais j'ai fait des cookies. Putain c'était juste. Jack, oh putain. Jackie. Oh putain. C'est pas où ce coup. Allez là-bas. Là, pourquoi toujours les poursuivants sont trois fois plus rapides que nous, bordel. Allez. Bon ça va, là on est pas trop dans la merde. Voilà. Oh putain. Ouais il est sympa, il m'attend. J'avais dit, t'es scripté, tu peux pas t'enfuir enfoiré. Ça, hop, on prend un peu d'élan. Il est où? Putain, on fait chier à faire des mouvements qui servent à rien. Reviens, Jackie, tu peux pas t'en tirer, c'est pas la peine. Et, bah oui, par là. Pff, j'ai bugué, je me suis dit, comment il a fait? Enfoiré. En plus, genre, coucou! Ah oui, bah là, oui, effectivement, si t'arrives pas à faire tourner... Ah oui, alors là, je laisse. Ça, c'est énorme. Ouais, je me casse. Ah, le con.
Tu peux trouver un moyen de le rejoindre? Oh, est-ce que je peux faire d'abord une photo, s'il te plaît? Ah ouais, attends, obligé. F12. Merci, mec. Ah non, mais là, ça vend du rêve, là. Ça vend du rêve. Mais ouais, sinon, oui, si t'arrives pas à faire tourner Minecraft, ouais, bon, là, j'avoue, c'est chaud. Du coup, il faut que je trouve un moyen de le rejoindre. Par où je passe déjà? Je m'en souviens plus. Ah bah, par là. T'es sérieux, mec, là? Putain. Ah ouais, non mais vous avez raison, hein. Prenez un screenshot, hein. Il est vraiment étalé comme une merde, hein, c'est... Alors attends, pas très bien saisi, normalement c'est là. Allez, 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 tu le chopes. Oui. Ah oui, ok. Allez, tu montes. À chaque fois, j'ai vraiment peur en fait de vraiment me foirer comme une merde parce que j'avoue que la notion de hitbox là-dessus c'est vraiment particulier. Alors là, je t'ai monté un peu trop haut. Voilà, là c'est bon. Encore un coup. Bah, en fait, là je suis en difficile, donc en difficile, il n'y a pas de sens urbain. Voilà, que je fasse pas comme Jackknife, genre je vais me retrouver étalé comme une merde. Donc du coup, ça en fait déjà de base le sens urbain, la difficulté, c'est vraiment, bah tu l'enlèves déjà, ça te met une bonne grosse difficulté. Hein. Oh putain. Oh, oh, je déteste ce bruit. Ah, je déteste. T'entends bien la colonne qui pète là, c'est... Voilà. Bon, au moins, sur le bruit, c'est réaliste. On pourra pas dire le contraire. Mais non, là du coup, j'ai choisi le mode de difficulté, je le fais en difficile, comme ça. Ah oui, c'est vrai, il y a la porte, là. Voilà. Oh, ce con. Ah, tranquille, mec. Je sais ce que tu fais là, Face. Ah. Dis-moi seulement ce qu'Icar vient faire dans la mort de Pope Jack. On dit que c'est un flic qui l'a tué. On dit n'importe quoi, alors. T'es un amateur de catch, Face. Pope aimait bien le catch. Il adorait ça. Il avait même engagé un ancien catcheur pour le protéger. Eh bah, quelle protection ! Plus connu sous le nom de Rob Byrne. Où est-ce que tu veux en venir ? Rob Byrne ? Ben, c'est juste un idiot qui a pas eu de chance. Et la plupart des gens sont trop ignorants pour rester à leur place. Tout le monde se regarde dans le grand miroir. Mais qui regarde autour de soi ? À ta place, je commencerai par m'intéresser à ce gros tas de muscles. Bonne chasse à toi, chérie. C'est pas moi qui m'ai cassé la gueule comme une merde. On laisse tomber. Moi non plus. Je vais voir Miller. Oh, Face, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui parler de Jackknife? Pas encore. C'est un flic. Quoi qu'en dise ma sœur. Donc, oui, bah alors la chaîne YouTube, du coup, je vais. Viens là, toi. Je vais du coup l'annoncer demain au live de demain qui sera à 21h30. Environ, ça peut être 25, ça peut être 35. Mais voilà, donc j'annoncerai justement la chaîne. Du coup, je vais voir si je me refais un compte Xbox pour essayer de faire tout ça pour que ça soit beaucoup plus simple de gérer. Donc sans doute Twitter, machin, bidule, chouette et compagnie. Hein, ça, tout va aller avec. Alors le jeu Mirror's Edge 1, non, c'est pas un open world, même si on peut atteindre une destination légèrement différente, mais bon, c'est à double couloir, hein, faut pas, voilà. Ce n'est pas un open world. Et dernière nouvelle sur Catalyst, en fait, alors, je préviens, c'est un peu flou ce que je vais dire. Et même moi, j'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire. C'est que ça serait un semi-open world, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas accès à la carte complète, comme par exemple, je sais pas, moi, bon, on va prendre, c'est pas une grande référence, mais Assassin's Creed Syndicate, ou je sais pas, moi, les derniers Assassin's Creed, où on peut vraiment aller se balader de long en large et en travers.
Non, c'est-à-dire qu'on aura apparemment accès à des districts, on pourra se balader dans le district et on en débloquerait au fur et à mesure. Donc je sais pas s'ils vont faire, si vous vous souvenez comme dans Assassin's Creed le premier, où on avait le droit qu'à une seule zone qui va se débloquer petit à petit, ou si ils vont faire un truc vraiment district, voilà, on se balade machin, après district 2, mais on n'a plus accès au premier, voilà, je sais pas du tout. Comme autre jeu, je pourrais faire du Heroes of the Storm, donc Overwatch quand il sortira, Mirror's Edge, Reboot, enfin Catalyst quand il sortira. Je vais faire aussi donc du Secret World, qui est un MMO qui commence un peu à dater, mais qui est toujours fréquenté. Et il sort d'ailleurs encore des DLC, etc. Sur quoi d'autre? Sur du Smite aussi, je peux en faire. Sur du Guns of Icarus. Ça, je pense qu'il y a moyen de bien se fendre la gueule dessus. Far Cry 4. Hérésie de moi-même, je n'ai fait aucun Far Cry. Même pas Blood Dragon, rien, j'en ai fait aucun. J'ai vu des playthroughs, des let's play, etc. dessus. J'aimais bien regarder, franchement, mais pas envie en fait. J'ai pas ressenti le besoin de jouer dessus. Du coup, je vais enchaîner avec donc la vidéo. Et alors, mon cher. La vidéo de Miller. Du coup. Minecraft, non, je pense pas faire du Minecraft. J'aime bien le fait du jeu bac à sable, etc. Et s'il y en a en indé que les gens veulent voir ou que je pourrais faire, oui, ça je ferai. Ça, y a vraiment pas à chier dessus, quoi. Donc je mets la vidéo et je reviens. Tu le vois? Ouais, il va à sa voiture. Lieutenant Miller, je suis Faith, la sœur de Kate. Elle n'a jamais parlé d'une sœur. C'est vrai, on n'est pas du genre très loquace. Elle m'a dit d'aller vous trouver en cas de problème. On l'a arrêtée. Et vous devez être la personne qu'on a vue s'enfuir de la scène du crime, n'est-ce pas? Eh bien, c'est difficile à dire avec une arme pointée sur moi. Je sais qui vous êtes. Vous savez que c'était un piège. Je sais que Kate serait incapable de faire une chose pareille, mais mon supérieur pose des questions délicates, et je ne peux même pas aller la voir. Qu'est-ce que vous savez sur ce qu'on appelle Icar? Pourquoi? C'est écrit là-dessus. Pope l'avait dans la main. Ça doit venir de son agenda. Vous volez des preuves? Kate est ma seule famille, lieutenant. Les flics en prison ne font jamais long feu. Si elle est condamnée, c'est la peine de mort. Je vous laisse partir. Je dois bien ça à Kate. Mais d'autres ne sont pas aussi cléments. Et je ne pourrai rien y faire. Vous devriez apprendre à courir. C'est ce que je sais faire de mieux. Sacré Miller. Oui, quand même, il a une certaine classe tout en blanc. Perso, je trouve ça sympa. Donc du coup, je vais jouer un dernier épisode, je vais sans doute reprendre derrière, bien sûr. Ça c'est avec l'autre coup qui s'est cassé la gueule comme une merde et qui en plus se la pète derrière. Donc faire cet épisode-là, et après je vais faire une courte pause. Terraria, d'accord, bah je vais le noter, parce que du coup je connais pas du tout, donc en plus ça me permet de découvrir des jeux, et puis en plus j'ai une préférence, je dirais quand même... Bah, pour les jeux indés, enfin surtout qui sont de bonne qualité. Ah, nickel, je viens d'y penser. Dans les jeux indés, bien sûr que je vais faire du Broforce avec Mr. Swan et peut-être aussi avec toi, Razor. Peut-être avec toi, si je sais pas si tu l'as. Mais bon, de toute façon, on verra bien. Salut Titou. Là c'est pas Catalyst, hein, si tu confonds, c'est Mirror's Edge 1.
c'était le tout premier. Le tout premier de 2008, 2009 pour PC. Apparemment, Rob Byrne a un bureau à Burfield International, pas très loin du métro Hiding Park. Bonne nuit, Tony. Il devrait reconnaître le bâtiment, il y aura une enseigne. Et j'ai déjà vu Rob Byrne ouais. Dans un ring. Son adversaire avait le bras cassé et l'arbitre le nez en sang. Sympa. Jack est peut-être une plaie, mais il connaît la ville. Si ce Rob Byrne est vraiment mêlé au meurtre de Pope et à l'arrestation de Kate, il risque d'être plus violent qu'éloquent. Alors, attends... Je me lasse vraiment pas de cet univers épuré, hein. Franchement. J'attends de voir ce que ça a donné dans Catalyst. Et encore là, c'est pas le passage préféré où j'ai vraiment bugué quoi. C'est. D'accord, alors là, vu que j'ai pas le sens urbain, ça saute pas aux yeux. Ah, sur PS4, ils mettent des jeux indés, moi ça me jette pas de dématérialiser, enfin surtout si c'est sur une surface comme, comme Steam, où on peut retrouver assez facilement, bon après c'est pas non plus pour faire de la pub, mais bon, faut dire ce qu'il en est, c'est quand même foutrement bien pratique. Merci Tony. Ok Razor, bah de toute façon, attends, si j'essaie de grimper comme un petit chat, ça va être compliqué. Bah, de toute façon, tu me tiens au courant. Merde, alors attends, là je suis en train de bugger. Est-ce qu'il y a un passage par là, à moins que ça soit le truc tout con. Je suis sûr que c'est un truc complètement débile. Alors du coup, vu que j'ai pas le sens urbain difficile... Je me rends pas compte. La merde, attends. Bon, bah, on va essayer de troll un peu le jeu en montant sur cette caisse à la con. Et bah, ça passe, nickel. Alors, ensuite. Classique. Quand même se la péter avec une petite figure. Ok. Donc là voilà, généralement ça commence tranquillou. Nos prises de tête. Plateforme classique. Ok. Ça passe. Hop. Allez, escalade ma grande. Tu peux le faire. Quand même, mesdames. Pff, ah bah tiens, ça m'apprendra à dire de la merde. Bah. Allez, face. Attends. Je suis sûr qu'il y a un truc débile. Que je fais mal. Bon bah écoute, j'ai chopé, c'est le principal. Vas-y, glisse ma grande. Voilà. Hop. La porte, on la dégomme. Ok, hop. Puis bon, petit à petit, au final, on s'habitue assez vite. On se dit, ah voilà, ça c'est ouvert, faut que j'aille là, faut que je fasse comme ça. Ah. Là, il y a un message. Alors, une mallette. Une mallette. Bah Steam, ouais, enfin, bon après c'est pas forcément pour faire de la pub, mais j'ai vraiment... Attends, il y a forcément une mallette quelque part là, s'il ne proposerait pas un truc pareil. Ah, à moins que j'ai déjà chopé, oui c'est ça, il y a le dessin, j'ai déjà chopé, ok, d'accord, il n'affiche pas les mallettes déjà prises. Ouais, enfin, moi je trouve ça assez pratique, après, je dois avouer, j'ai juste une PS3 pour quelques jeux de joueurs, pour faire vraiment du local et être tranquille, sinon, bah après les exclus... ma PS3 qu'il y avait à l'époque,
Là, la PS4, franchement, j'ai juste limite envie de l'acheter pour le remake de Final Fantasy VII, vu que je suis un fan, un vrai fan de FF. Hein, j'ai joué aux anciens, j'avais commencé par le 7, alors comme ça, déjà, j'ai bien commencé. Ensuite, j'ai enchaîné le 8, 9, 10, quand j'ai vu que les anciens, ce que c'était, je me suis interrogé. Je les ai faits et j'ai continué parce que j'adorais. Alors, attends, je suis censé passer par... Ah bah d'accord, ok, par là, hop. Allez, monte maintenant. Ouais. Mais après, ouais, c'est pas... Bah... Oula, attends. Bah après, l'avantage, c'est que Costume, ils font des promos. D'ailleurs, je vous invite... Non, j'ai sa petite passe, là. Petit passage. Voix quoi, énorme, mais oui, bah je ferai aussi des jeux gratuits, free to play, etc. Bah ça, oui, sur Steam, oui. D'ailleurs, je vous invite aussi à alors voilà, pause deux minutes. Je vous invite aussi à regarder, c'est le Jean-Baptiste Chaud que j'avais découvert, c'est un petit youtubeur, enfin. Petit, commence à avoir un sacré paquet d'abonnés, hein, ça on va pas se cacher. Mais voilà, il y a un moment, c'est sur une playlist, il a fait, c'est en vrai, où il confronte par exemple la Xbox One, la PS4, Windows et Mac, je sais pas moi, Facebook, Twitter, etc. Il fait plein de trucs comme ça. Par exemple, Steam et Origin de EA Games. Et je franchement, c'est quand même super bien fait. Ça me fait flic, reviens au bercail, on va essayer de te trouver une habitation. Hey, attends, les flics viennent vers toi. T'as dû déclencher une alarme silencieuse. Bah voyons. Les flics ? Bon, ça, on fout. Alors... Pour l'instant, ils sont pas encore là, donc ça va. Allez. Ah, parfait. Ok. Oh, pff. Oui, Face, oui, bien sûr, j'allais t'en parler là. Bien, wesh. Voilà. À moins que. Attends, je suis censé aller. Je suis censé aller là-bas, c'est ça. No Man's Sky. Alors, ça, par contre. Oula. Là, par contre, c'est arrivé. Je vais finir de lire plus tard. Ils sont nerveux les flics, là, laisse tomber. Enfoncer une porte ouverte, oui bien sûr. Oh, attends. Aïe. Oh putain. Oui, merci pour les news. Ah, oh merde. No Man's Sky. Ça peut être intéressant, mais j'ai vu aussi... Enfin, j'allais faire un peu de Starbonds aussi. Alors lui, il est payant, hein, je pense. Ta gueule, toi. Oh, quelque chose me dit que je suis pas passé par la bonne route, là. Starbonds. Ah oui, un jeu que je veux vraiment... Et vraiment te faire découvrir parce que j'ai vraiment adoré. Pareil, très minimaliste mais très efficace. C'est Superhot.
Alors Doom, c'est pas un jeu porno, hein. Même si le titre comme ça, on pourrait croire. Non, non, franchement, je ferai découvrir demain, je continuerai Mirror's Edge, mais une fois que j'aurai fini Mirror's Edge, je ferai ça. Bah écoute, on va continuer. Oh punaise. Non, non, c'est bon, non, c'est pas moi, je vous jure. Oh putain, oh putain, je vais crever. Oh, je suis tellement mort dans ma chiasse. Pas que je perde de speed, ça c'est chaud. Voilà, là c'est bon. Là, là, là. Oh putain, je viens de me prendre une bastos là. C'est pour ensuite. Ok. Ok, là c'est bon. Je peux pas trop follow sauf les mecs qui sont dans l'immeuble, dans le même immeuble. Y'en a un qui s'est pété la gueule ou quoi? Ah, génial. Allez, ouvre-toi, mec. Je sais pas comment on fait pour éviter de se niquer les mains, sérieux. Merde, pour la paire. Ah, ok. Comme PC, du coup j'ai une GTX 970. Dringue une planque en hauteur. Dirige-toi vers les grues et je te guiderai quand il sera. GTX 970, c'est un processeur i5 310 GHz, 16 de RAM. Oh putain. Ah ouais, effectivement, oui. Oui, oui. Je confirme. Ok, on va sauter. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La carte son, je pourrais pas dire, je vois, oui. Mais sinon, voilà, c'est GTX 970, processeur. Oh putain! Oh, je déteste ce bruit, putain. Donc, ouais, i5, 310, GTX 970, 16 de RAM. C'est tout, je crois. Allez, ça. Ok, jolie fade face. Merci. Merci beaucoup. Ok, alors là, faut pas que je bousille la tyrolienne. Voilà, c'est bon, j'y suis. Là-bas, sérieux. Là, je viens de me bouffer une porte, mais normalement, j'ai plus de nez. Ok, alors ensuite. Attention, pique droit devant, va falloir jouer des coins. Oh, t'es sérieux, mec? Oh, plus c'est du SWAT, quoi. Oh, putain. Coucou. Oh, j'ai foiré. C'est bon, je t'ai. Tiens, tu bouffes. Boum, dégage. Alors, ils sont où les autres? Vous êtes... Oh putain. Et voilà, merde dans ta vie, s'il te plaît, là. Oh merde. Tiens, tu bouffes. Ta gueule. Ok, bon, allez, le poteau, classique, pas les gouttières. Bah écoute, le PC, bah, pour un jeu comme ça, oui, il tourne nickel, hein, je joue en max, ça j'ai pas de soucis. Je peux jouer, bon, sauf par contre tout ce qui est, enfin je donne un exemple, c'est le dernier Batman, Arkham Knight, et, bah, vu qu'il est optimisé, faut le dire, à la pisse. C'est compliqué, si le jeu est pas bien optimisé de base, bon bah forcément je vais pas jouer en full ultra. Mais là techniquement je pense que Catalyst devrait le faire tourner en ultra. Bon les jeux indés, bon, bah, j'ai fait tourner en ultra forcément. Mais voilà. Non, franchement ça va. Il est pas dégueu, il y a juste le pros comme j'ai dit que je voulais modifier. Pour passer un i5 4 GHz, ça serait cool.
Ah oui, ça. Est-ce que vous voulez avoir Children en sécurité, un enfant en sécurité, il transmet des messages par radio. Alors 5 signes qui montrent que c'est un runner. Il a du scotch sur les fringues, des os cassés, des trucs comme ça, où il porte du rouge et il apprécie le rouge, des trucs comme ça. Et en gros, si votre enfant devient comme ça, c'est c'est parce que ça devient un runner. C'est vraiment le truc à propagande, quoi. Oh Dieu, une porte rouge, un runner, tiens, bouffe. Ok, on va pas voir où est-ce qu'il faut aller. Faut aller sur les grues. Non mais même ça en vrai, je sais même pas si quelqu'un y survit, quoi. Concrètement. Là, hop. Bonne soirée, monsieur gamer. Bonne soirée à toi. Et bah, qui sait, peut-être à demain, à la prochaine. Allez. Ça aussi, j'ai. Oh! Ah, notre pote l'hélico, oh, génial! Ok, alors attends, là, ok, ça. C'est là. Hop! Alors généralement, il y a un hélico qui vous tire dessus. Ça traverse les volages. Hein. Donc notez bien, si on vient dans une société hyper sécuritaire et que vous faites courser par un hélico, ne faites pas ça. Ça marchera pas. Mais si on marche pas là. Putain, faut aller par où? Ouh. Ok, ensuite ça. Réunion de flics sur la place. Essaye de monter, sors-toi de là. Ah bon, je pensais aller descendre et leur faire coucou. Ah mais qu'est-ce que tu fous, lâche. Allez. Attends, réfléchis, ok. Hop. Ça, ça va. Ensuite. Putain, je me fais flinguer gratos là. Ok, ça c'est bon. Putain. Bye Razor. Tu te bouffes. Tiens. Voilà, dors bien surtout. Hop. Bah voilà, on a réussi à aller. Sympa. Ok, faut monter. Putain, en plus c'est plein des. Oh putain, le coup de pompe. Ouais, alors comment dire, mec. C'est que je suis pas trop fan du suicide, tu vois. Là. Ok, je crois savoir ce qu'il faut faire. Là. Salut. Raptor Jésus, tout ça. Oh putain, je me suis planté de touche comme un noob. Allez, voilà, donne-moi ça. Ah. Oh. Attends, attends, meurs deux minutes là. Alors je connaissais l'expression la tête dans le cul, mais alors la tête dans le béton, ça je connaissais pas. Oh merde. Oh vas-y. Ah, obligé. Ah, ça c'est bon, je screen aussi. Là, ça c'est. Non, ça c'est obligatoire. Ok, bon, bon, on le laisse dans sa merde, hein. Ouais, ouais, t'inquiète pas, là. Y'a un remake de l'exorciste, t'inquiète, mec. Ça, hop, on passe les barbelés. Ensuite. Allez. Ça passe bien. Et voilà. Ouais, non, mais des fois t'as du what the fuck, hein, c'est. T'as fait ce que je crois que t'as fait. Non. J'ai failli renverser ma tasse sur le clavier. Hey, tu peux contacter Miller? Je dois le revoir.
Ouais. Alors attends, il faut que j'arrive à me barrer d'ici. Oui, c'est tout con en fait. Du rouge! Et voilà.